commune chez nous, c'est que je suis allé attaquer le mec, je commence un peu à l'embêter. Et le mec, là, lui, il est gentil, mais dans la réalité, souvent, ils vont pousser. Vous êtes d'accord? On a une poussant sur ce truc-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que s'il fait ça, regardez, j'ai une distance. Alors, bien sûr, je pourrais taper, mais on n'a pas le droit de taper, là. Donc, c'est pas bon. On est là, et ce qui nous galère, ce qui nous frustre, c'est que là, on se dit quoi qu'on fasse, ça devient super dur. Et si les gars, ils sont forts, postés sur l'arrière, et qu'en plus après, ils nous font des conneries de judo, type un gros mouvement sur le côté là, ben là, ils vont rentrer pour pouvoir aller frayer sur nous. Donc, nous, on reste là, sur notre mindset avant tout de lutte, à dire, je suis là, le mec, j'arrive pas à y aller, je vais aller poser pour aller mettre, mais je n'y arrive pas. Ma main, elle arrête de l'affronter, donc je suis pas en interne, je suis là, et je vais descendre. D'accord? Je vais descendre, lui il va me pousser vraiment, il a pas envie. Là voilà, il se laisse pas faire. Mon idée c'est de poser et aller chercher une des deux jambes. Je peux aller prendre en diagonale, mais le plus simple est d'aller prendre du côté où il y a le bras. Même s'il veut me pousser avec le bras là, le fait que je descende, c'est super dur pour lui de me maintenir. Pourquoi? Parce qu'on a une force avec le gi sur les mêmes niveaux. Là on n'a plus de force. Donc, qu'on le veuille ou non, ça va être très dur pour lui de me maintenir. Donc, on est là. On est là. Première chose que vous allez devoir bosser, c'est vous rendre compte de ce mouvement. D'accord? Là, est-ce qu'il est fort, mon partenaire, ou pas? Moi, je suis moins fort. D'accord? Et en plus, s'il pousse, il est obligé de venir sur moi. Ouais. D'accord? Donc, je me retrouve là. Deuxième chose, si j'arrête de gripper, et je vais utiliser donc posture, avancer, pour aller prendre la jambe. Donc je me retrouve là, on est ici, prendre d'attaquer, mon partenaire est loin, je vois que j'arrive pas à bosser, je pose ma main comme un starting block. J'arrête de poser au niveau de l'épaule, je descends et je vais aller chercher sa jambe. Ok? Après, qu'importe, vous tirez, vous poussez. Après, je m'en fous. Ce qui m'intéresse au départ, c'est déjà que vous rentriez sur le partenaire. D'accord? Vous allez tous bosser ça dans un premier temps. On pose.